Good morning, allez, Iden, les chutes aujourd'hui, les refouats, Tarav, Baruch, Shmuel, Ben, Léa, Bator, Shachol, Israël. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez à cette minute éternelle. Nous étudions Maseret Megillah, Perek Gimel, Mishnah Delet. Rosh Chodesh Adar, Shechal Liyot, Beshabbat. Korin, Beparashat Shkalim. Chal Liyot, Betor, Hashabbat. Magdimin, Leshavar, Mafsikin, Leshabbat, Acheret. Bashmiya, Zachor. Bashlishit, Paraduma, Barvinit, Achodesh, Azelachem. Bachamishit, Rosen, Lekesidran. La Kol Mafsikin. Berashi Chodashim, Bahanuka, Bepurim, Betaniot, Bemamadot, Uvyom, Akipurim. On va s'intéresser à présent sur le sujet des Arba Parashiot. Vous savez qu'à l'approche de Purim, autour de Purim, on sort en général deux, voire trois Sifrei Torah à Shabbat, parce qu'il y a des Parashot qui n'ont pas forcément des rapports entre eux, même presque pas. Mais c'est sorti comme ça, je ne sais pas, il y a peut-être des raisons plus profondes. En tout cas, concrètement, il y a quatre raisons pour lesquelles il faut. Quatre occasions pour lesquelles il faut sortir un Sefer Torah supplémentaire pour lire une paracha particulière. Et la Mishnah, en fait, elle me précise l'ordre, en l'occurrence. Rosh Chodesh Achal, on commence d'abord avec le cas le plus simple à aborder, en fait. C'est le cas où il y a, c'est-à-dire, en fait, il y a quatre parachot, on va introduire plutôt, c'est quoi les quatre parachot. Il y a tout d'abord la paracha Tchkalim. Ça, vous vous rappelez depuis ma Sefer Tchkalim aussi. Le Rosh Chodesh Be'adar, Machrizim, Al-Ashkalim, on avait appris que à partir de Rosh Chodesh Nissan, c'est le nouvel an par rapport aux caisses du Beth Amigdash pour apporter les korbanes, les korbanotes publiques. Les korbanotes publiques, ils doivent apporter chaque année avec la récolte de fonds de cette année-là. D'accord? Donc depuis Nissan, on a débuté une nouvelle année de korbanotes publiques. Et bien, il faut récolter donc des nouveaux fonds pour cette année-là. Maintenant, ça prend un mois pour s'organiser pour récolter l'argent. Donc depuis Rosh Chodesh Adar, il fallait déjà faire savoir au peuple que bientôt c'est la nouvelle année des korbanot, et donc il faut donner chacun son machatzit à chacun. Ça c'est par rapport à Adar. Puis pour qu'on puisse débuter en Nissan, donc il faut un mois de préparation. Donc en fait on repousse à la dernière limite, mais à condition de ne pas rentrer plus que le premier Adar. Donc si le premier Adar tombe à Shabbat, on va dire on va lire la parasha Shkalim à Rosh Chodesh Adar, mais si Rosh Chodesh Adar va tomber le vendredi même, donc on ne va pas attendre le 2 Adar, parce qu'on ne peut pas rater un jour, donc on va une semaine avant, quand on sera encore en fin de Shvat, ça va sortir le Raf Gimel, Raf Dalet Shvat, et bien on fera là-bas, on lira déjà parasha Shkalim, pour rappeler au peuple que attention, bientôt Rosh Chodesh Adar, il va falloir commencer à donner son Machasit HaShekel, d'accord, pour pouvoir acheter les korbanot pour la nouvelle année. Donc on a le premier, c'est Barashat Shkalim, on a qu'à le faire directement dans les mots. D'ailleurs, Rosh Chodesh Adar Shechal Liyot B'Shabbat, le Rosh Chodesh Adar qui tombe à Shabbat, donc qui tombe pendant Shabbat, Korin B'Parashat Shkalim, on lit à Rosh Chodesh Adar, la paracha de Shkalim, ça va faire trois Sifrei Torah, parce qu'il y a la paracha de Shavuot à lire, il y a la paracha de Shkalim, et aussi c'est Rosh Chodesh, donc tu vas lire aussi Rosh Chodesh. Par contre, si Chal Liyot Betor HaShabbat, si jamais le Rosh Chodesh Adar il tombe en plein milieu de semaine, eh bien, Maglimin et Shahavar, on va avancer la lecture de Parashat Shkalim au Shabbat qui précède, afin qu'il reste un mois entier pour qu'on puisse amener les Shkalim. Ou Mafsikin et Shabbat Acheret, du coup, tu seras en position où il y aura un Shabbat d'interruption, comme ce qu'on va expliquer dans 30 secondes. Pour le moment, maintenant, on a expliqué déjà que le Shabbat et Shkalim. Deuxième Parasha, c'est par rapport à Zachor. C'est par rapport à Purim. Cette fois-ci, on continue à avancer dans le mois. Le Shabbat qui précède Purim, il va falloir lire Parashat Zachor. On va expliquer dans quelques secondes, mais pour le moment, j'explique juste, je vais juste poser les deux parashat qui vont manquer. Ensuite, une fois qu'on a fini Purim, on se retrouve 30 jours avant Pessah, il va falloir se préparer au Korban Pessah. Il faut rappeler aux gens qu'il faut faire le Korban Pessah, mais mieux que ça aussi, il faut d'abord commencer à rappeler qu'il faut se purifier. Et là, on a deux Shabbatot qui sont quand même plus ou moins liés, c'est Para et Achodesh. Parashat Para, c'est l'occasion de rappeler aux gens, commencez à vous purifier. On va lire là-bas toute la parasha de Paradoma, comment est-ce qu'on se purifie avec la vache rousse. Celui qui est en contact avec un mort, il devra faire l'aspersion. Ça prend quand même 7 jours pour se purifier, donc on les prévient assez à temps. Et après, il y a le parashat de Achodesh Azelachem, Rosh Chodashim, Rishonu Lachem, Rosh Hashana. Il va falloir maintenant, Mishru Krolachem, Tson. Il va falloir prendre un mouton ou un agneau, pour un agneau ou une chèvre, mâle,
pour le Korban Pessah. Donc, en fait, on a deux Shabbatot qui sont liés. Ah, au Rosh Chodesh Nissan, ou le Shabbat qui va précéder le Rosh Chodesh Nissan, mais pas plus, je veux que tu dises la parasha de Chodesh. Et le Shabbat juste avant, alors c'est l'occasion de lire la parasha de Para Aduma. Para et Chodesh, ils doivent être un après l'autre. A Chodesh, le plus proche de Rosh Chodesh Nissan, et Para Aduma, le Shabbat de juste avant. Il s'avère donc que si Shabbat, ça c'est général, si maintenant Shabbat, donc en fait, si vous faites attention, en fait, il y a trois raisons différentes pourquoi est-ce qu'on lit des parashot supplémentaires. Et l'histoire de Rosh Chodesh, c'est à cause de Nissan, parce qu'il va falloir. L'histoire de Shkalim, c'est à cause de Nissan, parce qu'il faut une nouvelle récolte de fonds. La parasha de Zachor qui précède Purim, c'est Zachor parce qu'il faut lire. Alors maintenant, on va expliquer un peu, mais c'est quoi Zachor? Zachor, la Torah nous a dit qu'il faut une fois, qu'il faut lire, discuter combien est-ce qu'il faut. Mais en tout cas, il faut se rappeler, ne pas oublier, Amalek, c'est un peuple qu'on doit tuer, détruire, anéantir. Et il y a une obligation, en plus de le faire, il y a une obligation de se souvenir qu'il faut le tuer. Et pour se souvenir de le faire, la Torah, la Gemara explique, c'est déduit à partir de Psukim qu'il faut lire dans la parasha de Zachor. Donc en fait, on pourrait tranquillement attendre d'arriver à la parasha de Kitissa pour le lire une fois par an. Mais Chachamim ont instauré Purim, c'est la lutte contre Amalek, c'est l'occasion de se rappeler, allez viens, on va instaurer que maintenant, ce Shabbat Zachor, on va lire, on va accomplir la Mitzvah de Horaita, de lire le devoir d'anéantir Amalek. D'accord? Ça c'est Zachor. Donc on a Shkalim, Zachor, et puis après, donc les deux qui sont parapluie à Chodesh, qui sont un après l'autre, qui doivent précéder Rosh Chodesh Nissan, ou bien lire à Chodesh à Rosh Chodesh Nissan, mais pas après. Ok? Il s'avère que maintenant, selon la configuration, lorsque va tomber Rosh Chodesh Adar en milieu de semaine ou à Shabbat, on va se retrouver avec un mois avec 4 ou 5 Shabbatot. Alors, d'accord? 4 ou 5 Shabbatot. Du coup, la Mishnah va utiliser le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, et c'est pas exact, parce qu'il va forcément y avoir un Shabbat d'interruption au milieu, Shabbat Afsaka, justement, ce qu'on appelle. Donc on va prendre le cas le plus simple. Le cas d'abord de base, c'est le cas où on a Rosh Chodesh Adar, qui va tomber à Shabbat. Donc là, on a dit, ah, tu peux lire Shkalim, donc on va faire attention, on va avoir 4 Shabbatot, 5 Shabbatot dans le mois, puisqu'on va avoir le Aleph, Chet, Tet Vav, Chaf Bet, et Chaf Tet. D'accord? Ouais, on va avoir tous les Shabbatot, comme c'était le cas cette année, je crois. D'accord? Donc, oui, bien sûr, cette année, on a eu... Donc, on va avoir maintenant Shabbat, le premier Shabbat, on va commencer à lire Shabbat Shkalim. Maintenant, Purim, ça va tomber le lieu de Dalet, donc il va tomber le vendredi. Donc, on va lire Parashat Zachor le vendredi. Purim va tomber le vendredi, si Shabbat. Si Rosh Chodesh tombe le premier, il tombe à Shabbat. Donc, Purim va tomber vendredi, lieu d'Alet, et de ce fait, c'est pas comme ça. Et de ce fait, on va se retrouver à lire le Shabbat Zachor juste après. Maintenant, le Shabbat d'après, ça va être un Shabbat d'interruption. En l'occurrence, à Yom Shalem, on va lire une deuxième fois Zachor. Mais en tout cas, c'est un Shabbat d'interruption. On va avoir un Shabbat d'interruption ici, et puis après, on va lire. Il nous reste encore deux Shabbatot, qui va être le juste au Khaftet. Et puis là, on va lire là-bas, dans ces deux, on va lire Parashat Chodesh et Parashat Shkalim. Et Parashat Para. Maintenant, on a une autre configuration. C'est le cas où Rosh Chodesh Adar va tomber au milieu de semaine. Donc dans ce cas-là, tu vas devoir faire précéder la lecture de Shkalim avant Rosh Chodesh. Et tu vas avoir le premier Shabbat de Adar qui va être un Shabbat d'interruption. Parce que Zachor, tu dois le faire à proximité de Purim. Et de ce fait, le Shabbat d'après, le Shabbat qui va suivre, ce sera déjà, tu le fais suivre avec Achodesh, avec Para et Achodesh. D'accord? C'est ce que la Mishnah va me dire, très simplement. Donc, je reprends depuis le début. Rosh Chodesh Adar, Shechaliot Beshabbat, le de Rosh Chodesh Adar qui tombe à Shabbat directement. Eh bien, Kourine Beparashat Shkalim, on la Parashat Shkalim, à ce Shabbat. Chaliot Betor HaShabbat, si c'est ici, maintenant, le Rosh Chodesh Adar, il tombe Betor HaShabbat, c'est-à-dire au milieu de la semaine, Shabbat, ça veut dire une semaine. Eh bien, Magrimin et Shavar, on fera précéder la lecture de Shkalim au Shabbat précédent, enfin le Shabbat, ou Mafsikin le Shabbat Abba, le Shabbat Acheret, et on va s'arrêter au Shabbat qui va suivre. C'est le Shabbat juste après, le premier Shabbat de Hadar, et en plus de ses fatwas supplémentaires. Parce qu'ensuite, Vashnia, dans le deuxième, une fois qu'il y aura le Shabbat d'interruption, ou bien le Shabbat qui va suivre, eh bien, Zachor, il faut lire la page de Zachor,
Bashlishit Paradouma, le troisième tu lis la paracha de Paradouma pour les gens qu'il faut se purifier, et Barévit au quatrième Shabbat, Chodesh Azelachem, lire la paracha de Chodesh Azelachem, où la Torah, elle nous dit de prélever, de se préparer à apporter le Korban Pessah. Bachamishit, le cinquième Shabbat qui va suivre, qui va en réalité concrètement, ça va être déjà le sixième Shabbat, parce qu'il y aura eu forcément un Shabbat d'interruption, eh bien, c'est-à-dire en tout cas le premier Shabbat qui va déjà, on sera déjà rentré dans Nissan, après le Bet Nissan, eh bien, Chosrin, les Kessidran, on revient à Kessidran, on revient à relire comme d'habitude. Il y a un petit problème. Parce que si j'ai dit qu'il veut lire comme d'habitude, ça veut dire que tu t'as interrompu. Or, on n'a pas l'usage comme ça. On a l'usage de sortir de Sefer Torah. Et en réalité, une discussion, on va proposer quelque chose de très simple, comme le Vardenon l'explique, c'est qu'en réalité, chaque fois qu'on a un Shabbat particulier, on va, là, par rapport à la lecture de la Haftara, en fait, on ne va pas lire l'Haftara classique, qui était prévue dans la page de Shavua, mais on va plutôt lire l'Haftara en rapport avec le Shabbat particulier. Si c'était le Shabbat de Shkalim, alors on va lire avec l'histoire avec de Ben Yehuyada qui était parti ramasser l'argent, Ben Sheva Shanim, je ne sais plus, là-bas il y avait Ben Yehuyada qui a ramassé, qui a récolté des fonds pour renforcer les caisses du Beit HaMikdash. Et que si ça va être Zachor, alors on va lire ensuite l'histoire de Pakad Ditet Asher Asah Amalek, l'histoire avec Shaul HaMelech, et ainsi de suite. Que si c'est Paraduma et si c'est Achodesh Ezelachem, d'accord ? On parle Shat Achodesh. Voilà. Ça, donc en interruption, on va la faire sur l'Aftara. Et la Mishnah, à la fin, elle vient me dire, tu sais quoi ? Par contre, après, tu reprends le cours Ragil, le cours habituel de la lecture de l'Aftara en rapport avec la Parashat Hashavua. Et la Mishnah continue à propos, puisque on a déjà évoqué le fait que tu repousses un usage de Shabbat classique pour faire un usage particulier. Alors la Mishnah mentionne la Kol Mafsikin. Pour toutes ces raisons qu'on va évoquer maintenant, eh bien on va interrompre la lecture de la Haftara, le cours classique de la Haftara, comme c'était par exemple, on a eu Shabbat Rosh Chodesh, on n'a pas lu l'Haftara de qui avait par exemple Metzora, ou non, plutôt Gdoshim, ou en France, enfin Gdoshim, on a lu le Paracha de. Cet éveil de Rosh Chodesh plutôt. Donc on a lu, Vayumarantan, Macha Chodesh. Ouais. Pour toutes ces occasions-là, la Kol Mafsikin, pour toutes ces occasions-là, on repousse. Donc on repousse la lecture de l'Aftara. Et aussi, s'il y a certaines occasions qui ont tombé en jour de semaine, le lundi ou le jeudi, eh bien on va repousser la lecture de la Torah du lundi au jeudi classique, c'est-à-dire de la Parashat HaShavua, pour lire ces choses-là. Et quelles sont ces choses-là en l'occurrence, Berashé Chodesh, Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, on sort le Sefer Torah pour lire la Parashat de. La paracha de Et Korban Yelachmi Lishai, là-bas, il y a Vrashi Chodeshechem. Et dans ce cas-là, si ça tombe à Shabbat, on va lire l'Aftara de Rosh Chodesh. Si ça tombe en semaine, on va pas lire si ça Rosh Chodesh va tomber lundi, en l'occurrence aujourd'hui, eh bien, on ne lit pas la paracha de la semaine, on va plutôt lire la paracha de Rosh Chodesh. Donc ça, c'est Vrashi Chodeshim. Bachanouka ou Bepurim, aussi Hanouka et Apurim ont le même principe. On repousse la lecture de l'Aftara à Shabbat et la lecture en semaine, même du lundi et du jeudi, on lira les parashiot relatives à Hanouka et à Purim. Beta Aniyot, aussi la même chose pour les jours de jeûne. Tu repousses la lecture des classiques, donc Taniyot et Mahamadot, on va parler de semaine. Taniyot, c'est les jours de jeûne classiques qu'on connaît, quoi. Mahamadot, c'est ce qu'on avait évoqué dans Masechet Ta'anit, lorsque on avait évoqué le fait qu'il faut se réunir tous les jours, il y avait un des délégués qui se réunissait pour jeûner et prier pour les korbanot qui étaient faits au Beit HaMikdash, c'est ce qu'on appelle les Mahamadot. Il devait lire là-bas la paracha en rapport avec la création du monde, chaque jour de la semaine. Eux, ils étaient dispensés de sortir en deuxième Sefer Torah pour lire aussi la paracha Tachavua. Ils lisaient que les Mahamadot. D'accord. Et aussi, obéir à Kippourim, mais aussi à Yom Kippour. Même lorsque Yom Kippour va tomber à Shabbat, on ne va pas lire la paracha Tachavua. C'est comme, on n'a pas évoqué les Mutovim, mais c'est le même principe aussi, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi c'est pas dit les Mutovim, mais en tout cas, donc à Yom Tov, on ne va pas lire à Yom Kippour, on ne va pas lire la paracha relative à Shabbat, on va lire la paracha relative à Yom Kippour, d'accord ? À Chemot, et aussi la paracha d'Arayot, et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Salam.